Et salut à tous, c'est TheSisKarn et aujourd'hui on se retrouve enfin sur Call of Duty Black Ops après mes chères vidéos en live sur Dead Space. J'espère que vous les avez regardées et j'espère aussi qu'elles vous ont plu. Donc alors je suis avec le Galil silencieux, que je trouve que c'est le fusil d'assaut le plus efficace avec le FNFAL pour à l'utiliser. En plus de ça, elle est très facile à manier. Elle a une très bonne cadence de tir, et même avec le silencieux, et elle est vraiment très bien comme arme et très performante. Donc je vous le conseille, celle-ci aussi. Donc là j'en viens d'en tuer deux. Ouh. Et je vais faire un joli 28-2. Et je vous dis que les deux kills, là où je vais mourir deux fois, c'est je vais mourir très connement. Désolé de l'insulte, mais c'est vrai, j'ai pas du tout réfléchi à ce que je vais faire. Enfin, surtout le deuxième c'est un truc de très 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 con que je vais faire, vous allez voir tout à l'heure. Donc là j'en tue un autre. Donc alors ouais, dans ce gameplay là je vais beaucoup utiliser le contournement de map pour faire du respawn kill. Et c'est vraiment bien pour avoir des killstreaks comme le Blackbird, le Yui ou bien les chiens que j'ai là. Mais je vais pas utiliser les chiens dans celui-ci malheureusement. Je vais mourir juste avant de les avoir. Là j'en tue un autre et là j'y crois en voir un autre. Il y en avait bien un mais un allié il l'a tué à ma place. Donc là je m'empresse à aller à l'autre respawn ennemi que j'ai vu grâce aux positions ennemies, grâce à l'avion espion. Donc ouais, l'avion espion et le Blackbird c'est les trucs les plus efficaces je trouve comme killstreak. Surtout le Blackbird c'est le must on pourrait dire. Car vous savez exactement ce qu'ils font les ennemis, vous pouvez voir où ils regardent. Donc vous pouvez savoir si comment le contourner, enfin j'espère que vous me comprenez. Enfin c'est vraiment le must quoi. Donc là j'ai vu deux positions ennemies, donc j'y vais pour les tuer. Mais ils sont déjà morts. Et là il y en a un autre là qui est là juste devant moi. Et je reçois mes chers Blackburn et Yui que j'utilise pas tout de suite. Là je ramasse deux pistolets. Car j'ai plus de munitions dans mon Galil. J'en tue un et c'est le seul que je vais tuer avec ces petits pistolets, car c'est là où je vais mourir très connement dans quelques secondes là. En fait je vais mourir très connement parce qu'en fait je suis avec deux pistolets, donc faut faire très attention au déplacement. Faut essayer à pas être dans les grands affrontements, mais c'est ce que je vais faire. Je vais aller au front et j'ai pas fait attention à la map. Là en regardant là j'ai vu je voyais trois positionnements ennemis et j'ai pas fait gaffe, il y en avait un juste derrière moi, donc il m'a tué malheureusement. Donc voilà, n'essayez de pas faire comme ça, réfléchissez avant d'attaquer bien sûr. Et surtout pas avec des pistolets, surtout en akimbo, c'est fortement conseillé. Alors là je pose un petit une petite clé mort, car j'allais utiliser mon Yui, mais là j'ai vu un positionnement ennemi qui se rapprochait de moi. Et donc j'ai mis la clé mort. Et ça a porté ses frises, et ça l'a touché mais ça l'a pas tué. Donc heureusement que je l'ai pas lancé directement mon Yui, donc je l'ai tué. Ensuite je me suis reculé, je me suis mis à un autre endroit un petit peu plus loin, car je pensais que l'ennemi allait revenir pour se venger. Je me suis mis un petit peu plus loin. Bon, là je suis dans mon Yui. Je vais pas tuer grand monde, je vais pas en tuer 20. J'en tue 10 je crois au maximum. Et ça c'est vraiment intelligent de leur part. Enfin non, c'est pas, je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou c'est à faute de la map, je ne sais pas du tout. J'arrivais pas du tout à les tuer, c'est à cause des murs. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès, je ne sais pas. Je les connais pas, hein. Je suis pas dans leur tête. Mais le truc à faire quand un Yui ou un Ayn est contre vous, c'est de vous planquer dans les bâtiments et d'y rester jusqu'à qu'ils partent. Comme ça il va tuer personne. N'essayez pas de sortir avec votre bazooka pour essayer de le tuer. De toute façon ça, je pense qu'il va vous tuer avant que vous lancez le missile. Si vous réussissez à le tuer,
c'est vous avez de la chance, mais moi je reste tout le temps dans les bâtiments quand il y en a un et quand il y en a un qui est actif dans les chez les ennemis. Donc là, pour ce petit conseil de ma part. Donc là je vais avoir mon deuxième Blackburn, je vais activer tout à l'heure mon premier Blackburn. Et je vais avoir un deuxième Blackburn. Ah j'en tue. Bah je crois que d'ailleurs je t'ai vu mon deuxième. J'ai pas fait gaffe. Ouais j'ai pas fait gaffe, je crois que je l'ai eu mon deuxième. Ah non, je vais l'avoir là, voilà. Là je vais après lui je vais l'avoir. Voilà, là je l'ai eu. Et je l'active tout de suite. Et là en activant le Blackburn, j'ai vu le respawn à l'ennemi était de l'autre bout de la map. Donc je m'empresse à aller pour les tuer. Et oui, je vais pas les faire des câlins. Donc c'est là aussi que je vais mourir la deuxième fois très connement. Et la vidéo s'achève malheureusement. Donc là je cours. Et là j'ai vu que le score était à 7400. J'ai fait vas-y, je fais le fou, je lance ma Semtex. Et il me tue malheureusement, mais sauf ma Semtex, je lui réussis à le faire coller sur lui. Et je fais le kill final. Donc voilà pour ce petit gameplay avec le Galil Silencieux, j'espère qu'elle vous a plu. Laissez un petit commentaire pour vous dire ce qu'elle est pas, je pense qu'il y en a beaucoup, des trucs qui vont pas du tout. Ou sinon pour me féliciter, donnez-moi vos sujets de conversation, je suis prêt à tout. Dans Call of Duty bien sûr, hein, pas dans le monde réel. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera un très grand plaisir. Bon jeu à vous, bye.